propos de transport, voici une mode qui devrait faire fureur auprès des cyclistes parisiens. Elle nous vient tout droit de Californie. Il s'agit de kits d'éclairage à accrocher sur les roues des vélos pour les décorer. C'est étonnant, c'est rigolo, mais pas seulement. Séverine Larouy, Emmanuel Hensinger. Adieu la discrétion, la nuit, tous les vélos ne sont plus gris. Avec ces décorations psychédéliques, aucun risque de passer inaperçu. Un cadeau allumé que certains retrouveront au pied de leur sapin. C'est pour mon frère, qui a un vélo électrique parisien. Moi, je ne suis pas parisien, je suis marseillais. Et voilà, donc je me suis dit que ça pourrait lui faire plaisir, à la fois drôle, et puis je crois qu'il est assez sensible à la sécurité aussi. Quand vous traversez par exemple un boulevard, la voiture qui est en face de vous comme ça, elle jusque-là ne vous voyait pas très bien. Alors que maintenant, comme vous avez des gros éclairages latéraux, elle vous voit très bien. Quand les voitures vous doublent, elles ont une distance qui est beaucoup plus grande que d'habitude. Parce que pour l'instant, ils ne connaissent pas ce système-là. Du coup, ils prennent beaucoup plus de distance, ce qui est évidemment au niveau sécurité un vrai plus. Et si vous trouvez ces décorations un peu bling, sachez qu'elles sont fabriquées en Californie. C'est un étudiant du prestigieux MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, qui les a inventées pour son projet de fin d'études. Le concept a fait fureur auprès de ses amis, il l'a commercialisé. Son point fort, une installation très simple. Une fois ça s'est fixé, on va les connecter sur la boîte avec les piles qui est là-dedans, au centre que j'ai déjà fixé, qui se fixe de la même manière. Hop. Et les tours joués. Le vélo scintille de mille feux, mais ce n'est qu'en roulant que l'éclairage forme un dessin. Ici, un éléphant. Coût de cette personnalisation, 40 à 60 euros pour un motif. Reste une inconnue, comme tout ce qui brille suscite les convoitises. Ces lumières sauront-elles bien résister au vol ?